Et Canada explique en détail trois piliers qui pourraient permettre l'intervenir dans le dossier Haïti. Depuis quelque temps, question intervention militaire étrangère, ça a divisé Haïti. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Est-ce que Canada prend cette mission? Est-ce que le pape prend ces questions? Ça, en pile, on a posé. Et bien, depuis après intervention député Floride, là, chez la McCormick, qui fait qu'on est à partir de semaine 10 janvier, il y a une intervention rapide pour rentrer à Haïti, pour venir aider Roumé à gang, pour venir aider sécuriser le pays, à rétablir la paix. Eh bien, dossier ça, commencer à lever parole en pile. Eh bien, dans l'émission aujourd'hui, là, nous allons regarder ensemble trois piliers ça que le pays Canada présenté dans ce qui est pour avec un dossier Haïti. Guy Philippe, ancien sénateur de la République, Guy Philippe, ancien et militaire réactionnaire qui était participé dans chaviré et pouvoir Aristide en 2004, li sur route pour retourner dans le pays. Il y a des gens qui disent c'est diversion, il y a des gens qui disent c'est distraction, et bien, je dis, on va dire exactement qui ça, moi, pensé lié. Toujours dans le cadre de sanctions que les États-Unis et le Canada prennent contre différentes personnalités politiques et économiques en dedans pays, et bien, pour première fois là, gagner l'État haïtien qui décide de réagir contre une sanctionné. Ma parle de sénateur Hervé Foucault, bien entendu. Eh bien, gagner commissaire au Kailan, Ronald Richemont, qui invite là pour lui parler de sanctions, ça y au fac prend contre lui-même. Non, ça qui gagne pour ouais avec un dossier drogue. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui dans l'émission parlant. Mon éditorial avec Yannick. Jeudi, c'est jeudi 15 décembre 2022. Continuez bonne information, traitez information avec vous, non souci pour être informé. Eh bien, j'aimerais annoncer nous depuis commencement semaine, projet fin d'année, projet pour nous supporter des séries de familles, dans l'idée pour nous faire soubjou moi, dans l'idée pour nous porter un petit chot, un petit kichoy baillot pour nous faire soubjou mon 1er janvier. Eh bien, pour fin d'année, là, nous pral déposer valise nous dans une organisation qui regroupe un paquet de monde qui est handicapé, monde qui a mobilité réduite, monde qui moun ki aveugle, moun ki soud, moun ki manke ponyet, moun ki manke pie, etc. Moun sa yo ki genyen yon incapacité physique, ki pa gen accès avec travail, ki pa gen accès librement pou yal vake avec activité yo. Et bien pour fin d'année, c'est yo même nou pral supporter, c'est yo même nou pral pote sou plan bay. Ou même qui vle supporter initiative lan, qui vle accompagner nou nan projet si la, ou ka toujours relem ekrim nan numéro émission pour di Yannick, mais comment m'ap bay contribution, mais comment m'ap aide moun sa yo ki nan nécessité, ki nan besoin pour fin d'année. On connaît projet nous en pile, budget nous en pile, et mais moun sa yo moins songer yo ces projets nous, et bien ou même tout pas oublier pour songer moun sa yo qui n'a nécessité, qui handicapé, qui a besoin de support pour fin année. Sans perdre du temps, n'a pas rentré dans information yo pour jodi an la. Et bien pays Canada depuis quelque temps là, nous wè gon marché pressé qui gagne pas beaucoup de pays États-Unis pour yo et coller dossier Haïti pour yo croquer Haïti dans collecte Canada dans ça qui gagne pour avec intervention militaire étrangère. Et bien nous gagne société civile pas bon la caï nous gagne différents acteurs politiques parmi yo te gagne Youri la Tortue, te gagne Joseph Lambert. Et bien monsieur ça même yo te kont tout l'idée pour ta gen une force étrangère qui foule sol pays qui rentre en Haïti dans l'idée entre guillemets pour ta rétablir la paix et la sécurité en dedans pays. Et bien je ne jodi an là nous gen diverses sanctions que États-Unis et Canada prend contre nèg sa yo. Et bien premier remarque yo te fait les sanctions ça yo te ba yo te gen tan kouri di c'est par rapport avec position politique yo dans ça qui gen pour avec intervention militaire là. C'est parce que yo pas vle intervention militaire en Haïti qui fait États-Unis Canada sanctionné yo. Malgré que nèg sa yo impliqué dans des scandales de corruption, yo impliqué dans trafic stupéfiant. L'opre le cas par exemple de sénateur Joseph Lambert qui gagne et charge assassinat sous Doli, yo oublié si yo gagne de graves accusations criminelles sous Doli, yo seulement ouais sanctions États-Unis et Canada prend contre yo même comme des sanctions politiques. Et bien je ne jodi an là
par rapport avec dossier insécurité, hein, par rapport avec vague violence criminelle qui gagne, captaille bandan dans pays, hein, nous finalement comprendre sanction ça yo qui basé sur résolution 2653 et que Conseil de sécurité des Nations Unies l'a adopté. Nous comprendre effectivement derrière toutes ces criminels ça qui gagne dedans pays, hein, oui c'est vrai gagne mes politiques là-dedans, oui c'est vrai gagne acteurs économiques qui impliqué là-dedans. Journée jodi, hein, c'est ça que fait nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes qui c'est des citoyens conscients, nous-mêmes qui fait partie de jeunesse consciente. Là, on a demandé que l'autorité, l'État, l'autorité étatique, pour yo presser, prendre des dispositions contre tout le monde en Haïti, tout acteur dans la vie nationale qui impliqué, qui sanctionné sous base résolution 2653, qui a participé dans financer gang, dans la gang moyen pour tout le petit peuple, pour déstabiliser le pays. Eh bien, États-Unis, nous gagnons. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui t'a rencontré avec Justin Trudeau. Nous tous te connais ça et moi crois dans mois novembre qui se passé là. Eh bien, dans moment n'a parlé là, rencontre continue à multiplier par bon côté pays États-Unis, pays Canada, différents députés, sénateurs américains, canadiens, mexicains, etc. C'est une des raisons qui fait pays Canada se devoyer et yon envoyé spécial, se devoyer ambassadeur Bobri en Haïti côté que li te gagné pour rencontrer avec différents acteurs dans vie national en dedans pays. Qui sa trois piliers sa yoye que pays Canada montre ses souli yo pral chita dans sa ki gen pouwe avec intervention soi-disant y a bien pour yo faire en Haïti. Je ne jodi an la, yo estime que intervention si pou li fait en Haïti, faut gen approbation et peuple, faut population haïtienne, nan faut chaque grain citoyen tabay entre guillemets encore et approbation yo pour ta gon force étrangère qui foulait sur le pays. Et bien par rapport avec situation ça, yo estime li important pour gagner un dialogue qui fait avec différents acteurs dans vie nationale yo. C'est une des raisons y a continué jusqu'à ce que décision prend de manière officielle pour yo dou men ki jou ki date etc. Yo avoue intervention, li important pour dialogue politique là continuer avec différents acteurs yo parce que c'est sous base ça yo estime que acteurs politiques représentatifs parce que chaque clan politique, chaque groupe politique, chaque organisation politique, yo bon groupe moun qui affilié avec yo, yo pote message en groupe moun, yo pote nouvelle pour un groupe moun. Donc l'important pour yo chita avec différents acteurs, différents partis politiques, différents acteurs dans vie nationale là, que l'acteur politique économique, que ses membres dans société civile là, pour bon dialogue qui fait pour une solution largement large qui joigne avant même yo décider pour année 2023 pour janvier 2023 qui va venir là comment intervention militaire là li pral fait en Haïti. Ça li important. Gen kèk tan n'ap gade comment réalité politique là yé en Haïti. Des série de nèg par exemple qui yo même yo toujours dou à un certain moment de la durée, m'pa dialoguer. M'pap chita avec Jovenel Moïse, m'pap chita avec PHTK etc. Ou prend le cas et unité, ou prend le cas de vérité, ou prend le cas de SDP, je veux dire, qui fait fusion, tout qui fait partie de pouvoir réel, rien, qui s'est signataire à conceptable. À un certain moment, il n'y a pas de jambes de dialogue, il n'y a pas de jambes de concertation, il n'y a pas de chita sur table, parce que, on seul bagay, c'était crasé système, non, système, non, il était ouel dans Jovenel Moïse. Je veux dire, là, pas de Jovenel Moïse encore. Yo, nan tête pas nèg sa yo, nan tête pas monsieur dame sa yo, pou yo est comme si yo vinc système nan. Système nan était Jovenel lié, Jovenel pas là encore, yo assassiné Jovenel, kou di a pays a gon chance soi-disant pour pays avancer. Mais nous wè tout faux promesse que nèg yo t'a fait, hein. Nous wè toute illusion nèg yo t'a bercé, nous t'a fait nous caresser un rêve, une idée qui pas ka atterri journée jodien, qui pas ka concrétiser vraiment. Nous wè, c'est même international ça, yo t'a décrié, yo t'a accusé comme allié Jovenel Moïse qui était kembe Jovenel Moïse au pouvoir. Et bien journée jodien, c'est peuple haïtien, c'est nous-mêmes qui fait partie de population, c'est nous-mêmes qui a accusé international comme moun qui kembe Ariel sous pouvoir. Qui dit Ariel dit opposition politique radicale qui était dans la rue sous Jovenel Moïse parce que yo même yo fait partie de pouvoir. Alors ce que je dis, dialogue ça, entente ça que international l'a cherché.
Moun sa yo jounen jodi an ki konstitue opposition ki an face Ariel, ke lte Montana, ke lte Pen, ke lte Gre modifié, etc. etc. Yo même yo exigeon bagay, yo exige depa Ariel sou pouvoir, yo exige fok Ariel ale, fok bon lot group moun ki okupe tèt l'état. Et m'ap di nou, nèg Montana yo nan moment la yo tellement confiant. M'pa konn ki group blanc ki ba yo confiance sa, ki ba yo certitude sa, mais bon confiance absolue pa bon côté acteur Montana yo, yo kwè que Ariel a quitté pouvoir, yo kwè que c'est yo même qui a organisé élection, c'est yo même qui pral vin nan tête nouvelle transition sa, qui pral mener pays envers les élections. Mais bon l'autre aspect pour nous qui est extrêmement important. Pendant que Canada, États-Unis, pendant que communauté internationale, même Nations Unies a prôné dialogue politique là. Faut moi dire nous acteurs ça qui fait partie de l'accord Montana, journée aujourd'hui là qui montre yo confiant, yo pas peur, vous comprenez, yo gon force, yo pas peur. Et bien même acteurs ça tout, yo dou yo parler intervention militaire. Alors que toutes les démarches qui a fait là par bon côté Canada, par bon côté États-Unis, c'est pour y jouer nos ententes en différents protagonistes, différents acteurs qui ont en face, pour aboutir avec intervention militaire. Donc, quelque part, nous toujours trouvons nous dans une situation, et nous toujours trouvons nous dans une situation, côté que Mounsa nous mettait confiance dans yo, soi-disant pour venir rétablir la sécurité de notre pays, parce que c'est acteur qui était capable de faire il y a toujours liquidé souveraineté pays, il y a toujours vendu en partie dans souveraineté pays, pour qu'il ça puisse troquer avec folie pouvoir, avec envie pour prendre pouvoir, avec envie pour venir président, pour venir premier ministre de notre pays. Sous qui base journée jodi an la des séries de nèg ak femme en dedans pays qui fait partie de l'accord Montana sous qui base yo pral estimer yo pral vinn prendre tête l'état rive faire élection mener transition qui pral aboutir et qui pral aboutir vers la stabilité etc. Alors que même nèg sa à un certain moment de la durée yo était très radicaliste yo pas voulé élection yo pas voulé pour te gon CEP qui te monté pour Jovenel te rive faire élection. Yo pas vle dialogue comme quoi dire moun sa yo qui pral dialoguer pour voir Jovenel Moïse son paquet moun qui yo même yo pas là pour stabilité yo pas là pour tranquillité yo pas là pour la paix dans pays journée jodi an c'est yo même nous fini par comprendre que en pile fois ça fait nous ouais population haïtienne nan peuple haïtien yo pas trop dans ces collé avec des séries d'intellectuels parce que depuis après 86 n'a regardé nous dit 30 ans de cela c'est même acteurs qui sous pouvoir c'est même acteurs qui a prend décision politique pour nous qui a mené avenir politique paysan moun sa yo dans le temps moun intellectuel sa yo dans le temps pile nan yo m'pa di tout en pile nan yo te troqué sa yo gagné comme éducation sa yo te gagné comme bagage politique pour des petits postes. Vous comprenez? Neglan li ale, li monte la France là, la fait maîtrise, la fait doctorat. Neglan c'est gros savé. Et puis là, vini, diplôme nan mel, doctorat nan mel, et puis colonne vertébrale li dol bese. Dol bese pour qui ça? Parce que leader en job, leader en poste, li besoin statut en dedans pays. C'est ça qui arrive. Là, aujourd'hui, on va regarder la majorité population des séries de monde qui dou. Yo pas quoi nan neg cerveau en Haïti, yo pas quoi nan éducation, yo pas quoi nan intellectuel en Haïti. C'est parce que expérience yo fait avec neg sa qui passe sous pouvoir, neg sa qui fait gros bol, neg sa qui dou, yo c'est gros savé, yo fait science politique, etc. Yo toujours prêt pour yo troquer connaissance yo pour poste, pour intérêt. Donc, si nous faisons avec un groupe intellectuel qui prêt pour troquer ça y rien comme savoir, ça y rien comme connaissance qui t'a supposé dans l'intérêt collectivité, dans l'intérêt tout pays, yo prêt pour yo troquer pour intérêt personnel, ti intérêt mesquin. Yo, qui côté pays pour aller avec modèle moun sa? Est-ce qu'on ka prendre moun sa pour mettre assuré? Pour mettre assuré soit en intérimat, pour mettre assuré stabilité pays, pour mettre comme chef en dedans pays. Non, il n'est pas jamais possible comme ça parce que moun sa yo population pas fait confiance. Et journée jodian là, pour nous couper fâché avec idée que intellectuel en Haïti c'est toujours chouli au fait, c'est toujours blanc à servir, faut moun sa yo qui n'a élite. Et qui n'a élite intellectuelle là, moun sa yo qui a la prendre dans l'idée pour venir servir pays, yo, faut que yo commence à servir pays, faut que yo commence à servir collectivité, à servir population, pour moun sa yo, ouais que, des séries de gros politiciens, des séries de grands intellectuels, c'est pas seulement parler français, mais c'est utile société, c'est utile pays, tout qui est extrêmement important. Deuxième point, deuxième pilier que Canada a avancé dans le dossier Haïti. Pays Canada
décidé d'intervenir là dans question humanitaire. Nous connaissons insécurité alimentaire qui a fait ravage près de 3,4 millions haïtiens dans insécurité alimentaire, ils ont pas qu'à manger, ils ont pas accès avec un plat chaud par jour. Donc là c'est 16,5 millions de dollars qui pral débloquer. Là dans ils estiment que 8 millions de dollars à pour et les, pour permettre l'État haïtien combattre l'insécurité alimentaire avec l'épidémie choléra. Dimanche là, à Kavinia, il y a une campagne de vaccination qui prend le temps main dans le dossier choléra. Et question vaccin, ça, la fin, pile parler en pile. Comme quoi dire, vaccin, c'est vaccin qui pas testé, vaccin, c'est vaccin qui pas joint et qui pas vérifié, etc. Qui pas joint approbation, bien aval pour ta distribuer. Donc, son ensemble de formations, faut nous vraiment véatif, faut nous vraiment vigilant avec un ensemble de décisions que l'autorité pas bon la caille nous apprend dans ce qui concerne vie nous dans ça qui concerne avenir nous bien sûr vie nous en dedans la république. Donc n'a pas pour nous ouais donc on est le bay don le bay prêt etc avec l'État haïtien l'argent ça a toujours gaspillé toujours gaboté c'est pas date qui a intervenu dans dossier insécurité alimentaire gain plus monde chaque jour qui pas manger en dedans pays autant des USAID a intervenu autant des OMS a intervenu gain plus monde qui a mouri et y a plus moun qui n'ont situation de morbidité, y a plus moun qui n'ont situation et côté que yo pas gain accès avec soin santé, l'hôpital général c'est pas des millions de dollars qui t'est investi pour l'hôpital la fête, l'état jambe fait et puis autant de gain l'argent, gain millions qui a intervenu qui yo a bail pour dossier insécurité alimentaire, pour dossier soin santé, pour dossier choléra etc avec MSPP. L'autre point qui est important c'est dossier sanction. Dossier sanction, pays Canada estimé, fuck sanction ça yo, fuck l'État haïtien, fuck gouvernement haïtien yo, même yo fait suivi par yo. Fuck l'État haïtien assume responsabilité yo dans dossier sanction ça yo, qui concerne différents acteurs politiques, économiques, et sanction pral pilon, lisa pilon, nan jou kap vini la yo, puisque Nations Unies li même la gagné pour sorti l'ispal la. Donc, trois piliers ça yo, li important pour Canada, li important pour communauté internationale, pour yo jouen en tente sous li avant janvier, avant mois janvier 2020. A fini pour yon ka intervenu de manière militaire en Haïti. Et gen député Floride, Jamso Dinoul, chez la McCormick, qui fait connaître que d'ici semaine jan, et 10 janvier, fok intervention, fok li fait en Haïti, fok yon fou les béton, yon fou les sol pays noirs avec yon intervention militaire kap gen pour aider et pays d'Haïti rétablir sécurité, combattre gang, tralala, tralala. Bref, kounye a ça qui concerne dossier Guy Philippe, là j'aime annoncé. Guy Philippe a bien pour retourner en Haïti. Guy Philippe, nous tous songeons dans quelles circonstances il a été arrêté, il dit qu'il était venu voter. En tant que sénateur élu, bon, il a été rentré en fonction, il a été pris certificat, etc. Il n'a pas bénéficié de l'immunité. C'est débarqué ou débarqué là dans Scoop. Yo débarqué pendant le sénateur a participé dans l'émission avec GPPC puis s'entendé à là yo boté yo aller mais te gon paquet débat qui t'a fait qui dit c'est livré Guy Philippe etc. et Guy Philippe li pa gen Guy Philippe ça yo reproché Guy Philippe là li pa fait le vrai on comprend gon paquet information qui bail mais Guy Philippe l'a gen pour rentrer en Haïti. Avocat bay tout détail sous dossier, hein, li extrêmement important pour tende à la lettre qui ça qui dit, parce que pas oublier Guy Philippe en Haïti, li même li estime gwo carrière politique. Guy Philippe estime retourner dans politique là. Et d'ailleurs, li gen position là avec pouvoir Ariel Henry, li gen position là avec ça qui a passé en dedans la République là. Et m'pa connais si nous toujours prêter attention avec audio Guy Philippe qu'on l'a gué dehors. Guy Philippe il toujours fait un appel avec différents anciens militaires qui étaient dans bataillon, qui étaient avec, qui étaient qu'on a battu avec en 2004. Donc qui ça cap gué pour passer, qui ça cap passer. On nous donne des avocats qui a ba nous plus détails dans dossier là. Et le 6 janvier, nous avons tout le document on a mis déjà. Le 6 janvier, il a mis Guy Philippe en liberté. Et le 7 ou 8 janvier, sénateur Guy Philippe a rentré dans le pays. Et ceci, n'a pas entré avec lui et n'a pas continué de mener. Comme nous l'avions dit tantôt, à travers les médias et à travers les réseaux sociaux, nous te promettons ça. Nous te disons, sénateur Guy Philippe a rentré dans le pays très bientôt. Dans tout le monde qui bat Jean Roy. Et il y a pile moun tou qui te dit que il a arrêté le sénateur Guy Philippe. Ce que nous autres avocats, que nous t'ai démenti,
Et nous devons avec toute preuve pour nous prouver que le sénateur Guy Philippe te prenant un complot. Et je dis, à travers la pétition que nous avons écrit au niveau OEA, au niveau l'ONU, nous avons même écrit protection citoyenne, yon bat ban nous réponse. Je dis, OEA répond nous très positivement. Côté que l'État haïtien, l'État américain, 90 jours, pour yon venir avec preuve tangible qui fait que vous avez arrêté Guy Philippe, enlevé, séquestré et déporté vers les États-Unis. Et nous autres avocats, nous avons toujours dit, la défaite du droit est provisoire. Et très bientôt, après 90 jours, depuis que le film est expiré, que OEA lui-même lui peut prendre des décisions pour lui demander non seulement l'État haïtien, ce que nous autres avocats que nous avons fait déjà, nous demandons l'État haïtien pour dédommager le sénateur Guy Philippe. Et à travers la décision OEA se prend là, ils ont demandé les États-Unis, non seulement pour mettre le sénateur en liberté immédiatement, et ceci pour dédommager le sénateur. Et très bientôt, au cours du mois de janvier, nous allons le déplacer, nous allons finir avec le sénateur, c'est et sauf pour nous continuer la bataille, nous allons mener dans le pays. Est-ce que vous pensez que le sénateur qui est rentré là, il a toujours été pour ce candidat au Sénat, ou comment, à quel niveau là pour vous? Écoute, à travers le parquet tribunal civil, Jérémy n'a pas de aucun plainte. Nous avons un certificat non, mais au niveau de la DCPJ, il n'y a aucun plainte qui vote contre le sénateur. Même au niveau parquet de Port-au-Prince, il n'y a aucun plainte qui vote contre le sénateur. Songez bien de dire, sur l'administration de Privert, il faut monter un complot pour enlever le sénateur. Parce qu'il a estimé que, dans le niveau que le sénateur Guy Philippe a monté, dans le niveau que le sénateur Guy Philippe a fait politique, il faut qu'il y ait un kembel. Et je dis, nous avons toujours dit, la défaite du droit est provisoire. Je dis, la décision de justice là, est en faveur nous. Et nous allons continuer à mener la bataille là, au niveau tribunal de première instance de Port-au-Prince, afin que le sénateur a une justice que nous-mêmes n'avons demandé pour lui. Alors, on parle de sénateurs qui ont été en Haïti, c'est sauf. Est-ce que vous parlez de l'Union capable de piquer? Écoute ceci. OEA, qui est une organisation État américain. Haïti, c'est un pays membre. Les États-Unis sont un pays membre. Si vous-même, dans l'examen périodique, vous prenez une décision, et décision que vous prenez sont des décisions qui sont irrévocables. Nous sommes demandés pour mettre M. en liberté, et vous demandez pour dédommager M. Pendant 6 ans que M. fait passer dans la prison aux États-Unis. Donc, pas à sortir de là. Songez bien, m'a prédit nous-mêmes, bagarre encore. La justice élève une nation. Il n'y a pas de société sans loi. Automatiquement, que vous estimez que l'ordre était manifestement illégal, c'est tout à fait normal, je dis, qui était causé client préjudice. C'est tout à fait normal pour demander pour dédommager client. Mais est-ce que vous utilisez une liberté provisoire à l'autre bord, sinon vous jouez dans la prison? Il y a une liberté provisoire. Et on m'a dit pour dédommager monsieur. Pendant 6 ans que monsieur fait passer dans la prison aux États-Unis. Donc, pas à sortir de là. Songez bien, m'a prédit nous-mêmes, bagarre encore. La justice élève une nation. Il n'y a pas de société sans loi. Automatiquement, que vous estimez que l'ordre était manifestement illégal, c'est tout à fait normal, je veux dire, qui était causé client préjudice. C'est tout à fait normal pour demander pour dédommager client. Mais est-ce que j'utilise une liberté provisoire à l'autre bord, sinon tu joues dans la prison? Il y a une liberté provisoire. Et le 6 janvier, nous avons tout document où nous avons déjà. Le 6 janvier, il y a mis Guy Philippe en liberté. Et le 7 ou 8 janvier, le sénateur Guy Philippe a entré dans le pays. Et ceci, n'a pas entré avec lui et n'a pas continué à mener la bataille. Et je dis, là, nous avons une situation côté que le pays n'a pas dirigé. Pas que personne qui a fait rien pour payer. Maintenant, on va pas de ma venir là. Je prends un bloc qui sont perdu 2 heures de temps. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas de gaz. Sous prétexte que pas de gaz, il y a de gaz encore. Pour remonter gaz. C'est parce que nous n'avons pas de dirigeants. Nous n'avons pas de monde qui a pensé pour nous. C'est pour l'une des raisons. Après retour, sénateur Guy Philippe, nous allons continuer à mener la bataille pour nous essayer de changer. Non seulement. Moun qui était autodéterminé, qui était voté sénateur là dans le grand sang, mais aussi changer la situation moun qui a vu à travers 10 départements pays. Vous dites l'État supposé dédommager le sénateur, est-ce qu'il faut, vous dites, est-ce que c'est vrai, il peut pas épéter ça non comme ça? Écoute. Prestation de serment son protocole. Et nous déclare. Nous dit au regard de notre constitution, au regard de l'article 247, dit tout clairement. Au cas où élection organisée en État. Sénateur ou député
qui élu automatiquement que KEP a délivré le certificat, lui automatiquement sénateur, lui entré en fonction. Lui pas besoin pour prêter serment. C'est-à-dire que sénateur Guy Philippe automatiquement bas résultat, lui qui entré en fonction. Donc, prestation de serment, c'est un protocole que lié. Je veux dire, si lui-même, lui pas exercé droit, c'est l'État haïtien qui t'a enlevé. Si l'État haïtien t'a enlevé, donc il doit le salaire. Frère, émolument et tout autre avantage que un sénateur doit jouir en tant que sénateur de la République. Et donc, c'est sénateur Guy Philippe, c'était un sénateur en fonction ou terme un sénateur en fonction. Et je veux dire, je crois que dans la bataille que nous allons faire contre l'État, nous sommes dans l'échange d'écriture que nous avons avec l'État. Je t'ai même fait nous croire que Haïti a signé un accord avec les États-Unis quand on a déporté tout Haïti. Et je dis clairement. Et pour tout le monde qui a déporté illégalement dans le pays. Et ceci, je joue une des ministres vers eux, je joue une des substituts ou des commissaires vers eux, parce que je voulais faire action. À quoi que Préval était signé avec Mme Albright en 1997, il n'a pas dit que je suis déporté un haïtien. Il a dit seulement clair, pour aider les États-Unis à gommer contre le trafic de drogue, les États-Unis ont intervenu seulement en haute mer. Et ceci, il faut des flagrances. Est-ce que vous avez arrêté sénateur Guy Philippe sous la mer? Est-ce que vous avez arrêté sénateur Guy Philippe en flagrant délit avec drogue dans même? Nous avons été dans l'émission que vous avez sorti à travers Radio Scoop et puis sorti, mais vous n'avez pas mis sous lui. Je dis, regardez l'article 8-1 Constitution, article 41 Constitution, il dit que, pas de aucun haïtien qui a forcé pour déporter, pour guider le pays, sous aucun motif. Et là, aller plus loin, il dit quel que soit, accord. Traité, convention que Haïti a signé avec nous le pays, il n'y a pas qu'à placer au-dessus de la Constitution. S'il place au-dessus de la Constitution, il est nul et de non à vous. Merci. Bon, voilà, nous sommes avocat Yuna, avocat Guy Philippe. Et Gombaga avocat dit, toujours aimé dire, la justice élève une nation. Donc, pas qu'à gagner pays, pas qu'à gagner société sans que pas gagner justice. Si nos sociétés, c'est impunité, capta et banda. Nos sociétés, c'est nèg qui pensent au-dessus de la loi, c'est eux-mêmes qui font la loi en dedans pays. C'est criminel, c'est corrompu, c'est nèg qui font la loi en dedans pays. Comment nous voulons pour société ça? Comment nous voulons pour pays pour fonctionner bien? Pour société en lui juste, si pas j'aime juste. Donc, il faut que nous vraiment bâillons toute attention dans nos bagailles. Nous avons tant de bagailles parce que y a des bagailles qui dit vraiment qui est extrêmement important pour nous connaître. Eh bien, dans le même dossier sanction, dans le même dossier justice, dans le même dossier impunité, hein, parce que nous-mêmes, nous là pour nous dénoncer impunité, nous là pour nous dénoncer mauvais fonctionnement qui gagne en dedans par la justice. Hein. Eh bien, je vous dis là, gagne commissaire du gouvernement au Kailan, Ronald Richemont, qui décide lui-même pour lui inviter, pour lui tendre sénateur Hervé Foucan dans le dossier trafic drogue, trafic stupéfiant que États-Unis sanctionnel, OFAC sanctionnel, comme quoi il y a un monde qui a utilisé fonction, qui a abusé le fonction de position pour le faire trafic drogue en dedans la République. Eh bien, mettez chapeau. Malgré quelques amis qui disent, ah, on est, n'a fait qu'on est, n'a fait ouais, n'a fait foulaï. Comme si décision que commissaire Okaïla ou dans Richemont prend, comprendre c'est en apparence c'est foulaï. Foulaï ou pas, apparence ou pas, mettez chapeau. Parce que c'est premier monde, depuis la sanction prononcée, hein? Depuis le OFAC, États-Unis, Canada prend sanction contre différentes personnalités, ça y est, c'est premier commissaire du gouvernement qui au moins lui fait preuve de défenseur de la nation, de la société. Lui fait preuve de monde qui a défendu communauté juridiction que est sénateur Lila dans l'ans pas oublié. Hervé Foucan, c'est sénateur sud lié. Hervé Foucan, qui côté lié, c'est au cas lié. Donc, je ne dis pas, lui important pour commissaire au cas là, pour le temps d'elle, pour questionner sous sa États-Unis reproche sous sanction ça sa que États-Unis prend contre lui sous base résolution 2653 pour qui ça la Valorès pour qui ça dans l'ouest là nous gagne Jacques Lafontaine qui a prouvé qu'il li pas fait c'est dossier Tiourian c'est lui même qui plus intéressé c'est dossier Tiourian c'est lui même qui plus important pour lui m'pa dit il pas gagne droit important pour lui non depuis contrevenu avec principe légal yo depuis ou en contravention avec la loi c'est tout normal pour commissaire du gouvernement pour le poursuivre mais journée jodi la qui quantité vagabond qui gagne dans Port-au-Prince qui quantité nèg qui a couvert quoi dans Port-au-Prince ça qui fait zak malhonnête en dedans ville là dedans quelle ville là et puis la faute en fait mes yeux sur yo
bagay ti zanmi kap regle, ki rôle la font gagner comme commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, qui travaille la fait en tant que commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Nèg sa on dirait depuis dans Port-au-Prince oublié. Yo oublié qui quantité obligation fonction de commissaire du gouvernement traîné d'elle. Donc chapeau pour Ronald Richemont, même le quelquefois qu'on fait des séries de bagailles qui méritaient pour nous râler les oreilles, ou là pour nous râler les oreilles, on a pris les oreilles. Mais là pour une initiative ou pour un bagaille qui au moins montré, au moins un petit espoir. On a un petit espoir même le petit, un bagaille qui a fait dans le système de justice, faut que nous faire et faut que nous apprécier ça. Et bien là, m'a quitté avec le commissaire Ronald Richemont qui va le bailler plus de détails dans le dossier et dans le dossier invitation li bail et sénateur Hervé Foucault pour comparaître pour le ni répondre question et la important pour on instruction tout qui commencer enquêter sur dossier. Mais avant m'aller faut moi rappeler en dernière fois projet nous gain pour faire dernière qui s'est rivé porter petit soupe joumon soupe traditionnel là porter le baillon groupe monde qui dans nécessité qui dans besoin pour année 2023 qui venir là. Eh bien, projet à ce qui s'allie, c'est arriver supporter un groupe moun qui n'a besoin, un groupe moun qui handicapé, organisation, moun qui démuni. Donc, pour arriver fait, pour arriver porter sous plan, porter qui choye la baye moun yo, c'est support, c'est pas seulement projet. M'toujours toujours aimé dire, c'est initiative, mais c'est projet, non? Puisque chaque projet qui lance, chaque projet mette sous pied, c'est support, nous, c'est ensemble, nous fait. M'toujours toujours aimé dire, mais en pile, chaye pas lou, c'est ensemble pour nous arriver concrétiser ça, nous gagner de positif pour communauté haïtienne, non? Même qui voulait, dès qu'il veut supporter l'initiative, relève et crime Dianic, mais comment vous voulez supporter, mais combien vous voulez aider, mais combien vous voulez supporter dans le projet si là. Donc, maintenant, nous, merci déjà à tout le monde qui répond présent dans le projet si là. Eh bien, nous continuons à lancer appel jusqu'à ce que le projet aille réaliser, jusqu'à ce que le concrétiser. Je quitte nous là avec Ronald Richemont pour plus de détails. Bonjour Magic 9, bonjour tout auditeur du Pic, la poutine, non, bon, ça. Et merci d'être disponible pour nous. Où voyez une invitation et by ancien sénateur républicain Richard Hervé Foucault au mandat pour lui présenter au parquet tribunal première instance de Kaila dans date mardi 20 décembre et qu'a venir là. Ou capable de nous détails sur convocation ça et monsieur Richemont. Bon, oui, moi c'est que suite à rapport au pacte donc on est dans la constitution internationale, donc qui fait dans les États. Non, c'est la sensibilité naturelle qui est par même monde que reproché de trafic et illicite de blanchiment. Allô? Allô? On a juridiction au CAI. Donc nous prenons l'initiative pour que nous inviter l'ancienne naturelle justement pour le là-bas. Et poser quelques questions sur en termes d'accusations sérieuses que OFAC et même fait et sur sénateur. Donc nous pensons que le commissaire gouvernement lui-même en tant que maître de l'action publique, le régulateur social, l'ordre social, il y a un champ d'action lorsque il y a des associations qui ont fait, il y a des rumeurs et des suspicions de corruption et qui a fait. Moi, c'est que il a tout droit pour que l'invité, quel que soit citoyen, pour qu'il attende, pose quelques questions et pour qu'il dise qu'il a pensé de telle accusation que même fait. Ok. C'est Hervé Foucault, c'est premier personnalité dans le monde qui est sanctionné par le Canada et les États-Unis, que la justice en Haïti attendait. Est-ce que convocation ça ou bien invitation ça, il rentre dans le cadre et politique du gouvernement, puisque vous-même vous êtes commissaire du gouvernement, il n'y a pas appliqué sous personnalité qui est sanctionnée par les États-Unis et le Canada, son bail qui concerté ou c'est l'initiative du parquet et des CAI, monsieur le commissaire. Vraiment bien, comme c'est le gouvernement, champ d'action, il est inscrit dans le code de décision criminelle là, qui est sur l'article 13, voire sur l'article 37, qui est là que travaille les Chita. Donc, automatiquement, gagner un série de carrières qui ne sont pas passées mal dans la société à qui porter préjudice à la société haïtienne. Donc, comme c'est le gouvernement, lui-même, il est capable, comme nous disons déjà. Champ d'action d'intervention pour le gouvernement en article 37 code de décision criminelle là que est capable de saisir d'office ou ensemble de dossiers qui a brûlé en la société. Notamment que donc politique pénale gouvernement nous gagnons pour nous chercher des crimes et des délits tout le monde qui a perturbé l'ordre social, nous estimons que les dossiers ça sont dossiers importants liés, comme que les FAC sont institutions internationales
que tout pays sérieux qui ont justice impartiale, justice équitable, là, t'as supposé faire suivi de rapport là. Donc parce que il y a des personnalités politiques ou bien économiques qui ont aussi été indexées en des rapports. Ça, faut que viennent rendre compte par devant la justice haïtienne. Au moins donc, que sanctions internationales là, n'est pas lié et bien n'est pas opérationnel sur le territoire haïtien. Mais cependant, ça fait que nous dit que c'est des présumés innocents en attendant que la justice haïtienne lui-même peut faire suivi avec et dossier ça. Donc nous-mêmes, nous prenons l'initiative. Ancien sénateur, il réside dans la juridiction des CAI. Donc nous avons toujours posé une question sur ensemble de bagages qui ont cité dans le rapport au FACLA. Ok, dans le rapport au FACLA, il y a accusé le sénateur d'être qu'il a transporté de drogue et dans le propre avion privé de région sud et jusqu'à Port-au-Prince. Maintenant, vous avez des dossiers déjà pour le sénateur, son monde que nous avons suivre ou bien l'invitation à arriver seulement après publication et communiqué et trésor américain? Bon, c'est pour qu'il y ait un dossier, mais pas seulement sur ça que nous allons poser le sénateur la question, il y a l'autre dossier encore que nous-mêmes nous gagnons, mais nous n'avons pas quelqu'un que nous-mêmes nous allons poser le sénateur la question. Donc, nous n'avons pas besoin de dire, bon, quand on suit quelques personnes qui gagnent d'autres dossiers que nous-mêmes nous gagnons, mais nous allons poser le sénateur la question pour qu'on ait ça, qu'on ait de ça ensemble de bagages que nous avons appris en dans la juridiction. Ok. Maintenant, dans sa guerre pour avec le trafic de drogue, puisque là, c'est de ça que nous avons parlé, c'est pour ça que vous sanctionnez le sénateur. Comment la situation est liée dans la juridiction là et CG? La juridiction, là, nous connaissons que la ville de Kaï, par rapport à Côte Sud, là, donc c'est parce que de la drogue. Et après le drogue, il est toujours circulé, il est tombé. Voilà, en mer ou bien un bateau, tout dernièrement, là, on connaît un bateau, un avion qui est tombé. Et comme cagaison drogue qui était portée, bien que pas de catapréal, donc Mounsayo que nous était allé en tribunal avait jugé et condamné, actuellement dans une pénitentiaire nationale, donc Mounsayo était condamné à 5 ans de prison et plus de 4 millions de gouttes. Et chacun, donc c'était du Mexicain, Mounsayo, ou quoi que la pénitentiaire nationale, parce que nous étions chez eux là-bas. Nous-mêmes. Est-ce qu'on va parler de avion qui était tombé ces gens du sud là? Exactement. OK. Mm-hmm. Maintenant. Oui. Mais où dit c'est bas sur la drogue et côte sud la drogue toujours à tomber et à part de intervention ça qu'une défait puisque c'est avion qui te crash qui fait qu'une défait intervention nous pas au courant et parquet ou bien BLTS t'as fait d'autres interventions pour t'as saisi ou bien t'as arrêté de monde que nous t'as soupçonné qui a fait trafic de drogue ou bien t'as Kembe qui t'a fait trafic de drogue et CG. Non, où dit que côte sud là il y a pile activité de trafic de drogue qui a fait là dans l'île mais nous pas tant pile intervention pour ta arrêter monde ou pour ta saisir drogue et... comme de bien juridiction car là donc département sud là il y a trois juridictions dans le Gakin okay. Il y a Koutou. Donc parfois elle tombe à Gakin ou bien elle tombe au Koutou donc la juridiction des Gakin n'est pas concernée. Donc, mais nous-mêmes, nous gagnons BLTS, et là, socialement, pour traquer les gens de fractures. Donc, automatiquement, que tout le même est tombé, il y a BLTS qui est là pour agir et pour déférer le dossier à partir devant le parquet. Au grand nombre d'interventions que nous faisons, et conjointement avec BLTS? Généralement, BLTS l'a fait, le rapport n'est que formé, non, il allait avec du pays fédéral. Ok. Maintenant, dernier point, nous n'avons pas abordé avec vous, avant de mettre fin avec l'entrevue, parce que vous n'avez pas gagné assez de temps. Et moi, j'ai fait plusieurs déclarations et même fait des saisies de carburant qui a vendu dans le marché informel là. Mais malgré ça, l'on passe devant station essence dans le département, dans la juridiction là, où toujours il y a un gaz à terre. Mesures que vous êtes prêts pour empêcher ça, vous n'êtes pas efficace et comment ça est? Bon, parce que le pays a la crise carburant, donc autorité locale, pourquoi ils ne sont pas capables de porter des solutions, ils sont capables de faire toujours des interventions capables de permettre de diminuer l'affluence du carburant qui est dans le marché informel. Là. Mais décision pour prendre son décision d'État et qui pour en l'air pour que nous-mêmes nous capables de gagner le résultat qu'on a besoin. Parce que nous-mêmes, personnellement, nous ne pouvons pas faire rien, éradiquer totalement, tandis que l'État central lui-même va intervenir en tant que dossier ça, que c'est dossier carburant qui sont crise majeure que le pays a lui-même la confronte. Quelle décision pour l'État central t'a pris pour t'aider et combattre ça? bon, est-ce que vous avez proposé l'État central ça pour le faire? Parce que vous pensez que contre tout ça pour le faire déjà pour retirer, éradiquer le problème carburant qui est dans la société.
Merci un peu, Luce, j'ai des sautés disponibles pour nous matin. Bon, Mabdou, merci. Sauf que Mabdou dit que, c'est que, lors des suspicions de corruption, de blanchiment des avoirs, gagnant enrichissement illicite, un citoyen que la société a reproché, lui-même, qui est pour venir répondre à la question de la justice, c'est lui-même qui vous venez dire qui côté joignant. Donc, il va à la justice, qui va dire, qui va chercher preuve pour lui, mais c'est lui-même qui vient dit le contraire pour dire effectivement mes côtés l'argent est sorti. Donc ça fait que là mais que tout le monde clair dans ça. Donc nous même n'a fait travail pas en tant que commissaire gouvernement et m'a souhaité que tout le monde qui est non impliqué en dans dossier ça, donc pays d'Haïti Jean lié là, donc faut que qu'il y ait des exemples qui tracent parce que nous même n'a pas courage nous à Dieu mais pour faire travail pas et me souhaité que et gouvernement l'État les mêmes les accompagner tout commissaire gouvernement qui engage une bataille pour que et justice faite pour la population et une justice par rapport à ensemble de monde qui a détruit pays depuis puisque de tant d'années. Merci un peu les Ronald Richemont. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où remet pays et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf s'il le dit pour y faire vendredi